Oui. Tu vas travailler parce que tu vas essayer de gagner de l'argent. Oui. Donc tu as toujours des attentes dans ce moment tu fais être dans cette société, de travailler, de t'intégrer, si tu ne dois rien attendre. Parce qu'on est toujours en train d'attendre quelque chose. Oui. On attend de nos enfants qui réussissent, on attend de pas travailler. Oui, donc il faut qu'on se sorte de la société. On ne peut pas être intégré dans la société. Donc il faut que tu sortes de ta tête. Voilà, donc, tu ne peux pas sortir de la société, tu es la société. Une fois que tu sors de ta tête, non, on fait un jeu la société ne peut pas t'accepter. Ça, c'est une illusion. Parce que si tu attends quelque chose de ton travail, tu attends bien de gagner de l'argent à la fin du mois. Oui, alors tu attends de gagner de l'argent. Ouais. Dis-moi pourquoi nous en sommes arrivés à là. Aujourd'hui, les humains, c'est comme ça. On vit, hein. Oui, on attend, on veut travailler, on va. Voilà. Et puis on est obligé de faire, on le fait quand même. On ne veut pas le faire. Oui. Donc, on est dans un monde où on est obligé de faire les choses qu'on doit faire. Pour pouvoir exister. Parce que autrement, tu n'existes pas, tu n'es rien, on te met de côté. D'accord. Tu peux exister, mais tu n'as rien. Oui, ben, tu as rien, on te met de côté en plus. Oui, parce que tu ne sers plus à rien, on te dit, mais tu n'es pas intéressante. Voilà, hein? Tu n'as rien. Voilà. Donc, est-ce que si tu es rien, oui. Ok, si tu veux rien, est-ce que tu as besoin du regard des gens? Des gens. Du tout. Donc. Et comment tu manges? Attends. Ça mange sans toi. Si tu, par exemple, si vraiment tu as faim, tu viens me voir, j'ai un à la maison, je te donne. Comment tu t'abrites? Hein? Tu vas dormir peu, parce que toi, si tu travailles plus, tu n'es plus intégré dans la mais société. Attends. Ça, c'est des questions. Moi, je n'ai pas de réponse pour moi. Oui, c'est pour savoir comment tu vois les choses et qu'on puisse en discuter. Comment tu fais bon. Moi, je te dis que la société dans laquelle on est, c'est une erreur. Oui, bien sûr. Donc, nous vivons dans un monde où tout le monde a voulu faire en sorte que ce qu'on fait, c'est important. Et c'est devenu important, on a donné beaucoup d'importance à ça, et on a donné beaucoup d'importance à demain parce qu'on a peur de le perdre. Exactement. Ok, donc on vit dans la peur. Déjà, si tu réalises ça, peut-être que tu auras un peu plus d'intelligence et tu vas voir que déjà ce que tu vis, c'est quelque chose qui est mesquin, qui est routinier, qui n'a aucun sens. Oui. Aller travailler pour de l'argent, oui, pour t'acheter un souffle d'ange. Un mois de vacances dans l'année, c'est ridicule, quoi. Travailler autant. Exactement. Donc, et puis toute ta vie, tu es comme ça. Tous les ans, tu vas un petit peu de vacances, après tu vas un petit coup à la plage, après tu regardes ta télé, et après tu recommences, et puis tout le temps, c'est pareil. Ouais. Là, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, là? C'est le mental. Il n'y a que le mental. Et ce qu'on disait, s'il n'y a pas le mental, s'il n'y a rien qui fonctionne, il y aura quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre... Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Oui, justement. La façon dont tu vas voir les choses seront complètement au-delà de ce que ce centre égocentrique propose. Le centre égocentrique, c'est la peur. Il veut gagner. Mais quand tu n'es plus là-dedans, il y a une façon de faire qui parle avec amour. Ok ? Et cet amour... Très peu dans ce monde existe. Mais quand toi, tu commences à le faire exister, tu ouvres des portes pour toi. Pour les gens autour de toi. C'est un chemin qui se fait. Qui se fait si tu as compris que tu es rien. Ah non, c'est une certitude, bien sûr. C'est une certitude ou c'est l'espérance? C'est une certitude. C'est déjà là. Parce que on croit tout connaître, des fois, on entend tellement de choses, on se construit notre monde. C'est ça. Et on peut, on a encore un long chemin à faire. Oui, parce que chacun de nous avons un chemin différent, avec des difficultés, ou certains avec des facilités. Donc c'est vrai qu'il faut, faut y aller doucement. Je crois qu'il faut discuter comme ça, pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de chemin. Il y a juste... ce qu'il y a, parce que chacun aura son chemin, et chacun va dire, ben moi j'ai mon chemin, et le monde va continuer encore, dans 5 minutes on va venir là, on va dire, ben oui, mais moi j'avais un chemin, c'est différent du tien. Voilà, tout à fait. Chacun aura son expérience quelque part, on ne sera jamais identique finalement, tout à fait. Dans l'expérience qu'on a vécue sur Terre. Oui. Je veux dire, dans notre apprentissage, on aura chacun des histoires différentes, des problèmes différents à vivre, à surmonter, etc. Mais tous ces problèmes, quand tu vas les vivre, tu vas t'apercevoir que tous ces problèmes, en fait, ça implique un seul mouvement. Et ce mouvement, les problèmes là,
que nous avons, on dit ça c'est mon problème, ça c'est ton problème, ça c'est son problème, ben c'est ni ton problème ni son problème, c'est le problème. De tout le monde. Ah, attends, pas de tout le monde, c'est le problème. Le problème qui est là. Le problème n'appartient à personne. Il existe. Ok, mais tu en as fait ton problème. Oui. Et quand tu as fait ton problème de ça, eh ben tu es emmerdé avec. Et tu vas me dire, mais comment je vais manger demain? Et qu'est-ce que je vais faire si mes enfants mangent? Et puis, tu auras peur, tu vas vivre dans la peur. Là, on dit, arrête ça, vite, fais confiance. Fais confiance que les choses sont autre chose. C'est, attends pas rien, juste fais confiance que ça va venir. Et tu vois, ça, c'est la chose la plus difficile pour un être humain à faire, qui est intellectuel. Parce que l'intellect t'empêche de faire ça. Comme tu disais tout à l'heure, toute la vie autour de toi va t'empêcher de faire ça. Parce que c'est pas éthique, c'est pas comme ça que la société va exister. Parce que la société, il faut qu'elle existe. Et si elle n'existe pas, tu deviens dangereux pour la société. Et là, on est dangereux. Quand on commence à causer comme ça, on devient dangereux pour une société. C'est rien, un policier qui arrive là. C'est un dangereux. J'espère qu'il n'y a personne de la minute. T'enlèves la minute. Non, c'est bien, les menottes sont là, ça arrive. Attends, vous n'entendez pas le gyrophare? Non, c'est pas comment, qui quoi? Non, mais tu vois, regarde, quand on fait ce genre de discussion-là, c'est que là, on est en train de parler complètement dans le sens inverse de toute la logique de la société. Ça, c'est vrai. Okay? La société, elle va dans un sens, et tous, on sait qu'il y a quelque chose qui va mal. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Personne ne veut ça. On veut pas les guerres, on veut pas souffrir, on veut pas que les choses aillent en vrille. On veut aimer. Hein? Mais donc, quand on est conditionné à ça, alors on trouve une excuse. Tu comprends? On est conditionné à ça, on trouve une excuse. Ah ben oui, pour retarder. Oui, tout à fait. Pour pouvoir encore jouir encore un petit peu. Mais on est bien d'accord qu'il faut qu'on apprenne à être en contact avec cette société, entre guillemets. Il y a des gens. Plus. Non, je veux dire, demain, je décide de sortir de là. Non, c'est pas avec cette société que tu dois arrêter d'être en contact, c'est avec. Avec moi déjà. Avec la société qui existe dans ta tête. D'accord. Parce que la société, elle est toi-même et c'est dans ta tête. Mais le pire ennemi, si c'est toi-même. Si je ne vais pas payer mes impôts demain, cette société qui est dans ma tête, oui. Enfin, qu'ils ont mis dans ma tête, oui. Il fallait payer mes impôts. Oui. Sinon, je ne paye pas mes impôts. Le coup d'un qu'est-ce qui se passe quand même? Tu sais que. Tu vas subir les conséquences. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux. Ce qu'il faut bien, c'est que je me sorte de ce système. Quand je vais sortir, il va voir. Oui, mais tout c'est pour ça. C'est pour ça que le tu vas perdre l'image que tu as de toi, que tu donnes aux autres. Oui, mais parce que si tu acceptes l'idée de perdre l'image que tu as de toi, un compte en banque, allez, une partie de la voiture. Oui, mais est-ce que nous tous sommes prêts à ça? Non, les gens ne sont pas c'est prêts. C'est ça de mal de perdre ta carte. Je ne peux plus pouvoir aller au restaurant ou ne plus avoir ses moyens. Donc, il faut être d'accord de perdre tout ça. Est-ce que on cherche la liberté? Est-ce que toi, tu veux être libre? Oui. Ok, si tu veux être libre, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, tout okay. fait. Donc, quand tu dis, est-ce que les gens sont prêts à faire ça? Est-ce que toi, parle de toi. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ça? Mais ici, je me dis, est-ce que tout le monde est prêt? Mais tu peux être libre en payant les gens. Moi, je me dis, il doit 20 millions de vins. Non, parce que les gens, ils sont prêts. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de les impôts. C'est là que je te parle. Tu peux être libre et aller bosser, je veux dire. Ah bon? Vous verrez bien si un jour vous essayez de ne pas bosser pendant un an ou deux, si vous êtes toujours aussi libre, même en ayant un super chômage ou je sais pas, un mécène ou quoi, est-ce que vous serez libre à ce moment-là alors que vous ne travaillez pas et que vous avez tout le matériel vraiment de vos rêves? Imagine demain tu gagnes au loto. Non, tu confonds deux choses, deux concepts. Ben non, je ne confonds pas, justement, je suis en train de critiquer, j'aimerais finir ma phrase. Créer, c'est-à-dire que, imagine, tu gagnes au loto, t'es libre matériellement. Tu vas créer plein de choses, tu vas faire des assos, tu vas vivre tous tes rêves, etc. Et il faudra toujours, ton mental, il va te dire quoi? Il faut que je fasse ça, il faut que j'aille plus loin, il te faudra toujours plus, bien sûr que si. Et là, ce dont on parle, c'est d'aller justement au-delà de cette histoire qu'on se raconte qui est sans fin. C'est sans fin. Et c'est en transcendant ça, pour transcender ça, c'est revenir là, maintenant. Et peut-être. Et arrêter d'être dans cette projection ou dans ce passé et juste revenir dans ça. Parce que quand bien même j'ai fréquenté des gens très très riches et tout, je peux vous assurer que
ils sont vraiment bien loin d'être dans cette liberté à laquelle on aspire. Parce qu'ils sont concentrés sur le monde matériel. Parce qu'il y a l'argent, ils ont gagné l'auto, c'est toutes ces choses-là, c'est vanité. Donc, ils ont le chapeau en exception de la réalité des gens de tous les jours. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on veut toujours parler de... C'est autre chose, c'est être détaché de tous ces concepts. Oui, mais étant dans ce système, détaché de tous ces concepts, demain, il va se déclencher dans la tête. Oui, mais il faut le... Ouais, c'est l'instant présent, tu vois, je parle de demain, hein, je te parle de maintenant. Moshe Lévi, exactement. Ah, son père était rabbin, son grand-père était exactement. Et c'était de la classe des Ashkenazes. Exactement. Alors, d'où est-ce que si la vie te dit demain matin, fais-toi un casse-croûte pour manger, tu appelles ça quoi? Un travail? Tu appelles ça la vie? Comment? Ok? Donc, la vie, pour moi, ça reste la vie tout le temps, peu importe ce que tu fais. Si tu dis ça, c'est mon travail, alors tu t'es identifié à la chose. Je dis, il n'y a rien. Ce que tu fais n'a pas d'importance. C'est ce que tu es. Okay? Et quand tu es ce que tu es, ben tu le fais dans l'amour. Alors si tu fais dans l'amour les choses, tu ne vas pas aller travailler dans une usine d'armement qui va faire des petites bombes pour aller jeter là-bas. On est d'accord, hein? Donc, le travail, la vie, c'est pour fonctionner. Fonctionner ensemble, si vous savez, là, le boulanger, il fait un peu de pain, il te donne du pain, machin. Et ça, c'est fonctionner. On vit avec nos moyens pour fonctionner ensemble, en harmonie. Ok? Ça. Appelle pas ça travail, parce que c'est vrai que le mot travail, ça vient de la grecque antique, où les esclaves qui ramaient, on les appelait les travailleurs. On n'a pas changé. Maintenant, on rame, mais on ne nous appelle pas les travailleurs spécialement. On appelle ça l'employé. Tu vois, c'est plus joli. Ressources humaines, ressources produits. Ressources, ouais. Ressources, t'as raison. Voilà. Donc de vivre la vie, mais pas de vivre la chose. Vive ta vie, tout le temps, ta vie, avec amour, avec conscience. Sois là. Et tu vas voir que les choses ne seront pas comme tu pensais, tu vois, parce que en fait, à ce moment-là, tu n'es pas la masse normale de la logique du monde. Tu es quelque chose qui crée autour de toi une ambiance différente. Les gens, ils ont envie de se poser, mais qui c'est elle, c'est quoi qu'elle fait, pourquoi elle est comme ça, elle est tellement gentille, on l'a vu. Mais c'est ça qui compte. Et nous sommes dans un monde de rivalité parce que tout le monde regarde midi à sa porte, il faut que je travaille pour gagner mon argent, autrement comment je vais faire pour... T'es angoissé. Non, après c'est pas le problème de travailler. Donc c'est justement... On est angoissé quand on travaille. Non, la plupart d'entre nous, on est angoissé. On n'est pas libre alors. Ben, bien sûr qu'on n'est pas libre parce que ce que tu attends, ce que tu attends sera pour te satisfaire. Exactement. Donc, est-ce que tu... Pose-toi la question. Que toute cette satisfaction que tu as besoin, est-ce que tu vis avec amour à ce moment-là? Donc, l'amour... Parce que j'ai des attentes. Donc d'accord. Donc, l'amour n'attend rien, ne veut rien. Même si tu meurs. Écoute, tu as travaillé, tu n'as pas pu payer ton loyer, on t'a foutu dehors, tu meurs sur le bord de la route parce que tu avais froid. Et alors? Et alors? Ben, tu meurs. Tu sais, le pharaon d'Égypte. Moi, Mais le concept de la liberté, pour chaque personne est différent. Bien sûr. Après, on peut le concept, oui, bien sûr. Encore aux actes, c'est bien le concept que tu dis, mais c'est différent. L'action, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, chacun regarde sa liberté à sa place. C'est ça, on l'interprète la liberté. C'est ça. Mais on n'a jamais vécu. Mais quand on est dans l'action, mais c'est un peu le problème entre nous. Quand on est dans l'action, c'est interprétable. C'est votre arme de la logique de la forme, après ça, c'est vrai. Parce que la liberté, beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres. Parce que, libre de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils font danser, ils font voyager. Ils ont tout ce qu'ils veulent et puis ils sont libres. Mais la liberté, mais c'est ça, ils croient pas la liberté. Pour toi, c'est quoi la liberté? C'est ça, voilà. Ce que tu dis, ça, ils font ce qu'ils veulent, d'accord. Ok. On peut croire que c'est ça la liberté.
On peut croire que j'ai gagné mon permis, j'ai acheté une voiture, je fais le tour de l'île, je suis libre, mes cheveux sont ça, à l'époque. Tu sais, mais très vraiment, est-ce que tu es là non. Tu vois, en fait, c'est une illusion. C'est une illusion. Mais alors, c'est quoi la liberté? Nous, on a du mal à comprendre ce que c'est que ce concept. Parce qu'on n'a on a jamais été, on n'a pas vu de groupe ou d'environnement dans lequel les gens sont vraiment libres. Par exemple, pas de contrainte de déplacement. Imaginez un seul instant que vous avez l'énergie libre. Donc on ne peut pas vous arrêter parce que vous allez avoir une voiture, un déplacement. Il n'y aura plus. On ne pourra pas vous mettre un passeport. Parce que ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait un passeport ou un visa, c'est qu'on doit prendre un avion. Il maîtrise l'avion, il maîtrise la voiture, il maîtrise le train. Mais si demain matin j'ai un objet qui me donne de l'énergie libre, je me déplace où je veux. Imaginez le problème des frontières, des armées, des polices. Est-ce que tu seras libre même si tu ben, alors c'est pas la question. Si demain matin, aujourd'hui je ne peux pas aller, par exemple je dis, je veux aller à Madagascar ou je veux aller à Paris. Je suis contraint de me dire que je dois travailler pour avoir un billet, pour le payer, pour prendre l'avion et y aller. Mais ça, c'est mais si j'en vais au-delà, enfin, mais si j'ai les moyens d'aller, allez, je me dis là, écoute, là, je vais aller à Paris. J'ai la possibilité d'avoir de l'énergie, j'y vais. Mais alors, c'est quoi, mais ça change. C'est ça la liberté on, ouais. Non, mais c'est pas ça la liberté. C'est quoi je parle d'un portrait là. J'essaie de comprendre comment les frontières dans ma tête vont exploser. Bon. Si demain matin, pour une cause. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'envie. Elle est juste là parce que tu es ce que tu es. Voilà. Et ce que tu es, c'est la chose la plus belle que tu puisses être sans contrainte. Sans contrainte de ce que tu aimerais être, de ce que tu voudrais, de ce que tu portes ton attention pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Tu es ça, ça c'est la liberté d'être. Dans ce coup, ça va d'un gardien mis dans la terre, mais dit, les gars, la mort. Mais pourquoi pas, mais fais le test. Non, mais être libre, quand les gendarmes t'arrêtent ça, en pleine arrestation comme ça, oui. Et là, lui t'embarque, et toi tu lui dis, mais moi je suis libre. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté d'être. Bon, ça il arrive avec le monde. Oui, mais il va me noter, c'est pas grave, moi j'ai déjà bien sûr. Là. Pour moi, la liberté, en fait, c'est un peu de s'ajuster au système. C'est comme si que l'homme chevauche le système. Il prend conscience de la mécanique qu'il y a au fond de lui, de ses propres mécaniques qui le désinforment. Donc, en fin de compte, il s'ajuste au système et il fonctionne avec le système, pas sous l'emprise du système. Là, on est sous l'emprise d'un système. Il a l'impression d'être libre. Sous l'emprise du système, il a l'impression d'être libre. Ouais. Il a l'impression parce que. Il est son mental dans son chapeau. Tu as raison, dans le chevauchement.